Didier Conrad, dessinateur. Jean-Yves Ferry, scénariste. Et Didier Conrad, dessinateur. C'est un très bon album. Non, ça fait 6 avec 16. Hein. Je sais pas. C'est notre meilleur album. En fait, Jean-Yves voulait partir de Vercingétorix et comme il s'est rendu compte que c'était une mauvaise idée parce que c'était la base de la série, il a décidé de faire une progéniture. Voilà, donc la fille. Parce que le fils, bon. Ouais, c'est pas intéressant. Mais la fille. Il n'y a pas beaucoup de personnages féminins, en fait, dans la série. La fille, c'est tout de suite rigolo, la fille de Vercingétorix. Ben nous, on a des filles. Hein. Plus âgées, mais on se rappelle bien comment elles étaient à cette âge-là. Alors imaginez la fille de Vercingétorix. C'était bien organisé, c'est 60 ans que nous. Ils ont 60 ans, oui. Nous, on est de. On est né en 59 après Jésus-Christ. Pareil, comme Astérix. Jérôme, tombé dans la potion magique il y a 33 ans, grand fan d'Astérix. Mon personnage préféré, Obélix. Parce que grand, costaud, sympathique, tendre. Voilà, personnage tout doux, sauf avec les Romains. 5 mots sur le tome 38. Adrénaline, adolescence, aventure, bataille navale, un mot plus long, auteur d'exception.